divina cielos. Y toti gafaneros. Que fais-tu? Rien. Alors pourquoi restes-tu là? J'attends. Tu attends quoi? Le retour des signes. Tu peux bien attendre. Ils ne reviendront pas de si tôt. J'ai toujours senti quand ils approchaient. Ils approchent? Oui. Sinon, je ne resterai pas ici. Depuis combien de temps es-tu ici? Tu veux dire, dans la colonie? Je veux dire, oui, ici, dans la colonie. Je suis arrivée seulement quelques années avant toi. Et c'était comment avant? Avant quoi? Avant, y avait-il des différences? Certes, tu n'étais pas là. Non, il ne s'agit pas de cela. Je veux dire, y avait-il des différences entre les habitants? Il y a toujours des différences entre les habitants. Je sais, mais était-elle flagrante? Oui, et non. Oui, et non. Mais qu'est-ce que cette réponse? Oh, la vérité, qu'est-ce que tu veux que je te réponde d'autre? Bien, pourquoi oui et non? Tu me demandes s'il y avait des différences entre les habitants. C'est bien ça? Oui. Eh bien oui. Il y en avait puisque certains avaient des corps d'hommes et d'autres des corps de femmes. C'était donc cela les différences? Oui. Elles sont de taille, non? Non, je ne trouve pas. Tu ne trouves pas? Non. Je ne trouve pas que cela soit suffisant pour expliquer ce qui s'est passé.
Cela, personne ne peut l'expliquer. Ah bon? Vraiment? Personne? Non. Personne. Pourtant, je ne comprends pas. Il y a bien eu des signes précurseurs, des événements annonciateurs de ce cataclysme. De ce cataclysme? Oui, j'appelle cela un cataclysme. Je ne savais pas que le silence était un cataclysme. Si, ne pas pouvoir parler est un cataclysme. C'est une question de point de vue. Comme tout dans la vie, non? Non. Ah bon? Il y a des choses qui sont unanimement reconnues comme des cataclysmes. La mort, la maladie, la guerre. Ce n'est pas vrai. Voyez-vous ça? Non. Je soutiens que ce n'est pas vrai. La mort peut être douce. Elle peut être choisie. Elle peut même être un soulagement. Allons, allons. La mort peut être choisie, je te l'accorde. Elle peut même être un soulagement. Mais elle n'est jamais douce. En tout cas, pour moi, ne pas avoir les mots est toujours un cataclysme. Oui, pour toi. C'est facile à dire, tu n'es pas concernée. Toi non plus, à ce que je sache. Il faudrait d'ailleurs que l'on m'explique pourquoi toi, tu n'as pas été privée de parole. Je ne sais pas. Et toi, tu sais pourquoi tu n'as pas été privée de parole? Non. C'est une question que je continue de me poser chaque jour. Il fallait bien que quelqu'un parle. Certes. Mais pourquoi nous? Parce que nous écrivons. Je n'en sais rien. Tu m'agaces avec toutes tes questions. Regarde! Quoi? Tu m'as fait peur. Regarde là-bas. Des bateaux. Ah. J'ai cru que c'était les signes qui revenaient. Est-ce que tu peux être bornée? Bornée? Oui, bornée. Je ne comprends pas. C'est bien cela le problème. Tu ne sembles ne te préoccuper que de tes signes. Mais là-bas, notre malheur approche. De quel malheur parles-tu, fille? Ne m'appelle pas fille. Tu n'en as pas la légitimité. Tu n'as pas à avoir d'ascendant sur moi. Et pourtant, c'est auprès de moi que tu viens chercher des réponses. C'est auprès de moi que tu cherches à comprendre pourquoi les femmes ont été frappées de mutisme. En effet. Tu me paraissais la mieux placée. Le suis-je? À toi de me le dire. Tu as été la première d'entre nous ici, non? Oui. Tu es celle qui a tout vu alors? Non, je n'ai rien vu. Rien? Rien que la lâcheté des hommes. Quelle est-elle? Tu les connais, non, les hommes? Peu. Bien en face. Je ne comprends pas ton indolence. Comment oses-tu? Tu ne peux pas comprendre. Pas comprendre quoi? Tu ne peux pas comprendre car tu n'étais pas là. Et c'est bien pour cela que j'ai besoin que tu m'éclaires. Ne me juge pas. Je te le répète, tu n'étais pas là. Tu ne sais pas ce qu'il s'est passé. En effet,
Je t'en supplie, parle-moi. À quoi bon? Parce qu'il faut raconter. Pourquoi? Pour que ça se sache. À quoi cela sert-il? Puisque nous sommes les seuls à pouvoir parler. Je le sais. Mais nous le devons. À quoi cela servira-t-il? Tout est perdu d'avance. Sans doute. Mais je sais que je ne pourrais pas me regarder en face si je n'essayais pas. Essayer quoi? Je ne sais pas. Que les choses changent. Que ces femmes retrouvent l'usage de la parole. Qu'elles puissent enfin s'exprimer. Que tu es naïve. Je ne suis pas naïve et ne me raille pas. Je ne te raille pas. Je te taquine gentiment. Je te mets face à tes contradictions. Quelles contradictions? Tes contradictions. Tu veux vraiment redonner la parole à ces femmes? Bien entendu. Et que crois-tu qu'elles diront? Rien d'autre que ce qu'elles ont toujours dit. Rien d'autre que ce qu'elles ont toujours été habituées à dire. Rien d'autre que ce qu'elles ont été autorisées à dire. Tu es acerbe. Non. Je suis réaliste. Pourquoi crois-tu qu'on leur a retiré l'usage de la parole? Je n'en sais rien, puisque c'est la raison pour laquelle je suis venue te voir. Eh bien, réfléchis. Je ne sais pas. Eh bien, moi, je sais. À la bonne heure. On leur a retiré la parole, car elles n'en ont pas besoin. Mais comment ça? Tout le monde a besoin de l'usage de la parole. C'est même le fondement de l'humanité. Oui, c'est surtout le fondement des malentendus, des conflits et des guerres. Donc, tu veux dire que c'est une bonne chose? Non, je ne dis pas cela. Je dis juste qu'on leur a retiré, peut-être, parce qu'elles n'en faisaient pas bon usage. Tu insinues que c'est leur faute? Leur faute tout de suite, la culpabilité. Non, je pencherai plutôt pour la responsabilité. Peu importe, pour toi ils sont responsables de ce qui leur est arrivé. Pas peu importe, cela fait toute la différence. Oui, elles sont responsables. Non, elles ne sont pas coupables. Donc, selon toi, c'est parce qu'elles auraient fait un mauvais usage de la parole? On peut l'entendre comme ça. C'est lunaire! Quel mot amusant! Lequel? Lunaire? J'imagine une grosse boule argentée avec des cratères. J'imagine les femmes muettes dessus. Chacune son imagination. En effet. Mais je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne vois pas très bien comment ces femmes ont pu être responsables de ce qu'on les... on leur ait retiré l'usage de la parole. Tu ne vois pas? Non, je ne vois pas. Je suis sûre que si. Sinon, tu ne serais pas si en colère. On n'est pas en colère lorsqu'on est impuissante. On est en colère lorsque l'on croit que les choses auraient pu être différentes. C'est tout à fait cela. Tu crois précisément que les choses auraient pu être différentes. Tu veux dire qu'on aurait pu ne pas retirer aux femmes l'usage de la parole? Oui. Et bien évidemment. Mais comment? Pour parler. Il faut accepter de dire des mots, non? Certes. Pour dire des mots qui ne nous concernent pas. Qui ne parlent pas de nous. Il faut aussi l'accepter.
Ce n'est quand même pas la faute des femmes si on a commencé à changer la langue et à éliminer chaque référence au féminin. Oui, la faute. Je ne parle pas de ça. Je ne te dis pas que ce sont les femmes qui ont décidé de cela. Je dis juste qu'elles ont accepté un beau jour de se mettre à parler uniquement au masculin. Mais c'était la règle, la loi. Et alors? On ne peut pas y déroger. Ah bon? Pourquoi ça? Sinon, il y a des conséquences. On va en prison. On a des amendes. On est exclu de la société. Certes, on est exclu de la société. Mais on ne peut pas exclure la moitié de l'humanité. Donc si les femmes avaient refusé de parler au masculin, nous n'en serions pas là. C'est du délire. Ah bon? C'est moi qui délire de pointer du doigt que les femmes ont accepté de se définir du jour au lendemain au masculin, de gommer toute trace du féminin dans les mots. Tu veux dire que le masculin a colonisé le féminin? Oui. C'est absolument cela. Bravo. Je n'aurais pas pu dire mieux. Ne te moque pas. Non. Ne te méprends pas. Là, je ne me moque pas. Tu veux donc dire que les femmes auraient dû se rebeller? Oui. Elles auraient dû se rebeller. Mais cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il s'est écoulé du temps avant que les mots féminins ne disparaissent du langage. Oui et non. Pas tant que ça. Je dis juste que les femmes n'ont pas été vigilantes. Et qu'elles ont accepté d'être dominées. Mais enfin, la langue n'est pas une arme de domination. Pardon? Tu as tout faux. La langue est même le premier lieu de la domination. Rappelle-toi toujours, ce qui n'est pas dit n'existe pas. Le féminin n'étant pas nommé, il n'existe pas. Alors c'est ainsi pour toi que ça s'est passé? Oui, je suppose. Les femmes ne se sont pas rebellées. À force, elles se sont tues. Elles se sont tues? Oui. Quand il n'y avait plus un mot qui les concerne. Bien, ça a été automatique. Ça s'est fait naturellement. Un beau jour, elles se sont tues. Alors, plus aucun mot ne les concerne. À force, elles ont perdu l'usage de la parole. Et puis, elles avaient fini par développer d'autres moyens d'expression. Lesquels? Tu oses me demander lesquels? L'écriture. Bien entendu. Tu penses que l'écriture a remplacé la parole? Remplacé, je ne sais pas. J'ai moins contribué à ce qu'elle continue de vivre. Car le mot écrit est un premier pas vers le dire. Et quand il n'y a plus de dire? Oui. Eh bien, il ne reste plus que les mots. Mais si on a retiré l'usage de la parole aux femmes, si on les a dépossédées des mots, c'est bien parce que c'est la chose la plus importante. À la bonne heure! Oui, ma chère, la civilisation repose sur la parole. En retirant l'usage de la parole aux femmes, on ne leur laisse plus la possibilité de dire leurs mots. Sauf par l'écriture. Sauf par l'écriture.
Que crois-tu qu'ils viennent faire ces bateaux? Je ne sais pas. Réfléchis. Saisir nos livres. Oui, saisir nos livres. Pourquoi? Parce que c'est la dernière forme de résistance. Sans écriture, il n'y a plus d'opposition. Il n'y a plus que des larmes soumises. Ne parle pas comme ça! Ça m'est insupportable! Et pourtant, prépare-toi. Mais ne peut-on rien faire? Si. Enfouir nos livres. À quoi bon? Tu oses demander à quoi bon? À sauver la mémoire des femmes! Alors il n'y a vraiment plus d'espoir? Il n'y a plus d'espoir. Regarde ces bateaux, pogués au loin, qui s'apprêtent à nous rejoindre. Bientôt déferleront les bottes dures, les armes et le sang. Nous n'aurons plus alors que nos larmes, nos souvenirs. Je refuse! Il n'est pas encore trop tard. Nous pouvons réveiller les autres femmes. Elles ne le veulent pas. Quoi? J'ai tout essayé. Elles ne le veulent pas. Non, ne dis pas ça. Tu ne sais pas comment ça s'est passé. C'est bien pour ça que j'ai besoin de ton aide. Je ne veux plus. Je ne peux plus. Je ne crois plus. J'ai trop espéré, j'ai trop insisté, j'ai trop attendu. Elles n'ont rien fait. Elles ont renvoyé chacune de mes propositions. Elles m'ont démise de mes fonctions. Ma plume a fini par s'assécher. Elles ont accepté de ne plus parler. Je crois que je ne suis pas prête. Alors pardon. Mais elles devaient bien sauver leur tête. C'est faux. Elles se sont condamnées d'une autre façon. Le silence est une autre mort. Non. Ce n'est pas fini. Viens. Bats-toi jusqu'au bout. Toi. Notre poétesse, notre dramaturge, inspirée des déesses. Et toi dont la beauté, la splendeur, la force et la puissance faisaient se coucher n'importe quel homme à ses pieds. Ne me dis pas que tu as peur de ces vermisseaux, que ton génie pourrait se voir amoindri et annihilé par ces bêtes rampantes qui ont peur de leur ombre au féminin. Ma belle, ma douce Isaïe, que tes mots me sont beaux et cruels à la fois. Ils transpercent mon cœur, un liquide blanchâtre s'en découle. Je sens mon âme s'envoler hors de moi. Oh, ma belle, je ne suis plus toutes ces belles choses. Je ne suis plus cette femme-là emplie de la splendeur de ses écrits. Le sexe auquel j'appartenais vit désormais enseveli. Comment contirais-je de garder l'espoir, la joie, l'envie, la force de me battre pour des moribondes qui n'ont même pas poussé un cri? Parce que tu es notre mère à toutes, parce que tu es la beauté, la force et la rébellion incarnée. Que nous avons besoin d'être guidés par ton intelligence, ton génie et ta sensibilité. Sinon, nous périrons pour de bon. Sans langage, sans mots, nous sommes déjà mortes. Non, il y a de l'espoir, puisqu'il y a de la vie.
peut être recouvré. Si on arrive à leur faire entendre raison, comme les hommes ont réussi à leur confisquer les mots, nous allons les rendre par l'écrit aux femmes. Comment? Comment, dis-moi, ma sœur amie? Regarde, au loin, ce sont cette nuit blanche, des signes. Tu penses la même chose que moi? Oui. Avec ses plumes. Oui, nous allons leur donner des plumes. Nous les ferons écrire. Nous leur redonnerons la parole. Et tu verras, elles retrouveront leur voix. Alors on se proposait, oups, d'un coup c'est très très fort, on se proposait pour commencer de, voilà, Eliane, que tu nous dises un peu quels échos finalement tu entends dans cette pièce par rapport à tes propres travaux bien sûr, et puis tous ces débats autour de la langue, de l'écriture, la création, et trois petits points parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, évidemment. Alors je peux peut-être commencer par quelque chose qui n'est pas sur la pièce, mais ce qui a été dit... par les deux comédiennes, puisque finalement elles font la comédie toutes les deux, même s'il y en a une qui écrit aussi. Moi aussi j'ai fait mes études ici, enfin une partie de mes études, et je suis donc un peu, oui, un peu émue aussi, et je voudrais dire que par rapport aux questions d'alliance, enfin, il a été question d'essayer d'arrêter quelque part on essaye, hein, de sortir de l'état de domination, de colère. Ce ne sont pas tous les hommes qui ont mené la guerre aux femmes. C'est essentiellement les universitaires. Ça, on ne nous le dit pas assez. Moi, je l'ai rencontré en faisant mes études d'histoire. Ce sont, enfin, dans beaucoup de contextes, on va dire, ce sont les lettrés qui font la guerre aux femmes. Pas tous les lettrés, bien sûr. Il y en a toujours eu qui étaient des complices, des amis, des alliés, qui n'étaient pas d'accord avec leurs collègues. Mais ce sont d'abord ceux qui savent faire du discours, ceux qui savent écrire, ceux qui maîtrisent la parole publique, ce ne sont pas les hommes, les paysans ou même pas les bourgeois qui ont mené ces guerres-là. Ce sont des gens qui... alors c'est une histoire très longue, hein, on ne va pas parler de tout ça ce soir, mais ce sont des gens qui n'avaient rien d'autre, qui n'ont toujours rien d'autre pour se mettre en valeur
que leur cervelle, contrairement aux gens qui font la guerre ou aux gens qui ont de l'argent, etc. Et donc, la concurrence est grande sur le domaine de la cervelle entre les hommes et les femmes. Hein. Et ils se sont non seulement organisés pour changer, notamment tout dans l'histoire de France, on voit ça à partir du moment où il existe des universités, 13e siècle, changer le droit, faire que là où la justice est rendue, il n'y ait que des hommes. Ce n'était pas tout à fait le cas avant. Et ils se sont organisés aussi, non seulement pour produire énormément de discours justificatifs, pour faire, parce que ce n'est pas évident, ça ne tombe pas du ciel que les femmes et les hommes n'aient pas les mêmes droits, ou n'aient pas les mêmes capacités, ou les mêmes accès aux biens. Donc faire beaucoup de discours justificatifs. Et puis se sont aussi organisés pour que les autres hommes, ceux qui n'étaient pas à la manœuvre, on pourrait dire, aient des avantages à ces changements. Notamment, par exemple, dans la question du droit, la dégradation de la capacité juridique des femmes à partir du 14e, 15e siècle, ça a profité à tous les hommes. Donc c'était une manière aussi de se faire des alliés. Hein. Et ensuite, il faut se débarrasser, il faut que c'est les gens qui ont récupéré des privilèges acceptent de s'en débarrasser pour aller vers de l'égalité, mais tout le monde n'a pas la même chose à perdre. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. J'ai rebondi sur ce qui avait été dit à la fin. On est ici dans le cœur de l'université, dans le cœur de la forteresse, parce que réalisons que les femmes, ça a été dit, ne sont arrivées ici, ne sont arrivées dans ces lieux où on avait le savoir en général, mais le savoir patenté par les diplômes, c'est la fin du 19e siècle. C'est la fin du 19e siècle. Et évidemment, les gens qui avaient fait ce système, les hommes qui avaient forgé ce système, s'étaient débrouillés pour qu'il y ait ce que moi j'appelle un couplage entre les diplômes et l'accès à tous les grands métiers, à toutes les charges de l'État, à toute la fonction publique. Donc le fait que les femmes puissent enfin, avec des 6 siècles de retard, ils ont tenu 6 siècles quand même, le fait qu'elles puissent arriver dans les universités, petit à petit parvenir à toutes les fonctions, à tous les métiers, ça a été des luttes énormes. Et le fait qu'il y ait aujourd'hui des missions comme celles que tu diriges, il faut se représenter symboliquement ce que ça veut dire en termes d'avancée. Même si on trouve que les avancées, c'est jamais assez, ça ne va pas assez vite, etc. C'est majeur, ce sont des avancées majeures qui ont été faites depuis, on va dire, 150 ans. Et petit à petit, c'est peut-être une augmentation un peu, exponentielle, comme on dit, parce que plus les femmes sont non seulement sur les bancs, avec pouvoir user ses culottes sur les chaises, mais dans les directions intermédiaires, puis dans les vraies directions, plus on peut changer des choses. Alors ça rejoint un petit peu la pièce, je crois que c'est de ça dont il faut parler le plus, mais le fait que les femmes qui ont été privées de cela, c'est assez normal quelque part, non pas qu'elles se taisent, mais parce qu'il y en a beaucoup qui se sont battues, mais qu'elles soient, tout le système est fait pour qu'on trouve normal finalement que certains aient plus de pouvoir que d'autres, que certains puissent s'exprimer publiquement quand les autres, on leur dit que ce n'est pas leur place ou qu'ils n'ont pas les titres ou qu'ils parlent mal. C'est encore ça dont il est question aujourd'hui. Les gens qui font des fautes. Alors les gens qui font des fautes ne vont pas monter sur la scène, ils vont avoir honte. Tout ça, c'est un système qui est organisé. Et bien sûr que la plupart des gens le trouve normal, ce système, puisqu'on a grandi dedans, puisque les voix qui étaient porteuses de savoir l'ont confirmé. L'école confirme tous les jours que c'est normal que le pouvoir appartienne aux hommes. Il n'y a qu'à ouvrir les manuels scolaires. Combien de femmes
Combien de femmes ont écrit des grandes œuvres dans nos manuels scolaires d'aujourd'hui? Combien de femmes ont gouverné? Alors en fait, il y en a plein. Il y a plein de femmes qui ont gouverné, y compris en France, même qui ont hérité de la couronne. On dit que ce n'est pas vrai, mais c'est vrai, il y en a. Plein de femmes ont, plein, pas des milliers, mais des centaines de femmes ont fait des œuvres, ont produit des œuvres. Des dizaines de femmes par siècle ont produit des œuvres majeures qui devraient être aujourd'hui étudiées à l'université, à l'école, et qui ne sont toujours pas là. Donc ça fait tout un travail qui va être maintenant, qui est récurrent. Il y a des demandes récurrentes depuis quelques dizaines d'années pour ça. Je pense qu'on va y arriver, j'espère en tout cas qu'on va y arriver, mais il y a encore beaucoup de chemin. Je voulais dire aussi par rapport à cette pièce qu'elle témoigne d'une sorte de remue-ménage là, qui a lieu depuis quelques années, peut-être un peu plus, hein, une quarantaine d'années, quand dans les pays comme les nôtres, les pays dits avancés, qui ont réalisé l'égalité théorique entre les sexes, il y a cette réflexion sur la langue, cette réflexion sur la parole publique, sur l'accès à la parole publique, qui est une réflexion qui croît de plus en plus et qui est pour moi très... très réjouissante, c'est-à-dire que les discours qu'on avait entendus, que la langue c'était comme ça, les choses c'était comme ça, il n'y avait qu'à admettre parce que ça, c'était depuis toujours comme ça. Aujourd'hui on sait que c'était pas depuis toujours, que ça a été construit, que ça peut être déconstruit du coup, hein. Et il y a chez les autrices aujourd'hui pas mal de recherches sur non pas seulement produire, parce que des femmes ont toujours produit, elles ont toujours écrit, elles ont toujours eu parfois plus de difficultés à faire connaître leurs écrits, à accéder à l'imprimerie, à accéder aux revues qui parlaient des livres, etc. Mais elles ont toujours écrit, ça, il n'y a pas de problème, elles ont toujours écrit, produit, pensé, enfin voilà, il n'y a pas eu de temps où elles se taisaient, qui est évidemment une image. Aujourd'hui, il y a en plus de ça une réflexion qui est en cours chez pas mal d'autrices sur les moyens de la langue. Hein. Ça a peut-être un peu commencé avec, il y a peut-être avant Monique Wittig, mais voilà, grosso modo, depuis 40 ans, quelle langue parlons-nous? À quel point les femmes qui sont désireuses d'authenticité, à quel point on est handicapé par la langue qu'on nous a mis dans la bouche, qu'on nous a mis dans la tête, hein. Donc il y a toute cette réflexion dans laquelle s'insère cette pièce sur qu'est-ce qu'il va falloir transformer, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est impossible, ou bien en général elles disent que c'est possible et elles essayent, c'est sûr, parce que c'est un matériau complètement vivant, la langue. Mais voilà, il y a cette réflexion qui s'approfondit sur les moyens de s'exprimer. Non pas, comme disait le Boileau, ceux qui s'expriment bien, ceux qui se pensent bien s'expriment clairement, mais est-ce que vraiment la langue dont on a hérité peut nous permettre de dire exactement ce qu'on veut? Donc toute cette recherche qui est vraiment très intéressante, et dans laquelle se situe la réflexion de ce soir. Merci Eliane. Peut-être Eva nous raconter comment est née cette pièce aussi, pour qu'on... Cette pièce, c'est la troisième que j'ai écrite. La première était un hommage aux écrivaines. Donc en fait, il y a la volonté de transmettre la pensée des écrivaines qui m'ont inspirée, qui sont à l'origine aussi de mon écriture et dont on parle si peu. La deuxième pièce était sur l'émancipation des femmes à travers l'écriture. Et donc, il y avait une logique, en fait, d'accéder justement à cette langue, et notamment grâce au travail d'Eliane, hein, qui m'a permis également d'aller comprendre ce qu'on sent, ce qu'on pressent, beaucoup de choses qui nous font souffrir, en fait, depuis longtemps, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient exactement. Quand on nous dit pendant longtemps, non, on n'a pas le droit de dire le mot écrivaine, par exemple.
Quand j'ai fait ma première pièce en 2016, on n'avait pas le droit encore, on devait dire femme écrivain. Et en fait, c'est tout ça. C'est mais pourquoi ce mot-là ? On ne peut pas devenir ce qui n'existe pas, en fait. Donc, et ça m'a permis aussi de comprendre, en fait, l'enjeu, que c'était uniquement des mots liés au pouvoir qu'on avait retirés. C'était les mots féminins liés au pouvoir. C'était pas la bergère, c'était pas l'ouvrière, c'était l'écrivaine et l'académicienne et le matrimoine, etc. Et en fait, George Sand disait pour changer nos réalités, changeons nos imaginaires. Et donc, en fait, à travers les mots, à travers la langue, nous pouvons changer nos réalités. C'est-à-dire, chaque mot, en fait, apporte un imaginaire. Quand, par exemple, on pense au mot homme, si, par exemple, on fait l'exercice maintenant, que chaque personne dans cette salle ferme les yeux et pense au mot homme, eh bien, je ne crois pas qu'il y en a une qui aura l'honnêteté de me dire « j'ai pensé à une femme ». Eh bien, quand on voit aux grands hommes la patrie, reconnaissante, la réalité, c'est qu'il n'y a que 5 femmes au Panthéon enterrées, et 76 hommes, je crois. Donc, en fait, les mots ont un impact sur notre quotidien. Et je pense que, oui, on peut changer, en fait, nos réalités en aidant à faire prendre conscience et qu'en fait, chacun, on est libre d'utiliser différemment la langue. Pourquoi est-ce qu'on devrait continuer à utiliser des expressions ou des formules grammaticales qui sont à notre défaveur en permanence, apprendre à nos filles, non, ce mot n'existe pas au féminin. Eh bien, si, en fait. Et s'il n'existe pas, on peut l'inventer. En fait, voilà, c'est lié à tout ça. Merci Eliane, tu peux peut-être nous dire quelque chose sur cette question aussi de la langue, des mots qui ont disparu ou qu'on pensait qu'ils n'existaient pas, mais finalement, bien, si, ils ont une histoire. Et... Bah oui, quand on regarde les mots qui ont été condamnés, puisque c'est ça, il s'agit de condamnations, et on a ces condamnations en toutes lettres à partir du XVIIe siècle, parce qu'avant, toutes les femmes sont nommées au féminin, quel que soit leur titre, quel que soit leur métier, leur fonction, etc. C'est parce que c'est pas qu'on était beaucoup plus géniaux avant qu'après, c'est que c'est le fonctionnement de base des langues romanes. On parle des femmes au féminin et des hommes au masculin. Donc on a parlé selon ce système normal jusqu'au moment où eh bien, des hommes ont décidé qu'ils n'avaient pas envie de concurrentes. Et donc, ce sont ces lettrés dont je parlais qui ont produit cette pensée. Donc, ils n'ont jamais condamné, par exemple, princesse ou duchesse ou reine, parce qu'ils n'étaient pas concurrents avec les duchesses ou avec les comtesses. Et puis, en plus, de temps en temps, ils mangeaient quand même un peu dans leurs mains. Donc, ils n'auraient peut-être pas osé. Mais en plus, ça ne les intéressait pas. Les termes, les premières condamnations qu'on voit, c'est autrice, peintresse, philosophesse, médecine, poétesse. La première, ce que moi j'appelle une fatwa, première fatwa qu'on voit contre des mots féminins, c'est ces 5 mots. Hein. Sauf si des recherches maintenant prouvent qu'on en a condamné d'autres avant. Mais ça, c'est dans les années 1630. Hein. On observe 1630, ça commence. On commence à enlever des finales. On ne veut pas, oui, on ne veut pas de philosophesse ni de poétesse. Mais doctoresse, par exemple, est un des mots qui a été le plus moqué. Parce que docteur, c'était le diplôme le plus élevé que décernait l'université. Donc les femmes savantes, qu'on appelait au Moyen-Âge des doctoresses, eh bien, ça a donné un mot moqué pendant des siècles. Hein. Et c'est évidemment le mot qui est ressorti le plus normalement du monde quand des femmes ont obtenu enfin des diplômes de médecine. C'est-à-dire à partir de la fin du XIXe siècle, à partir du moment où des femmes qui avaient ce diplôme-là, ce sont notamment les soignantes, se sont installées dans des cabinets, en ville, etc. Mais 50 ans plus tard, quand les femmes enfin parviennent dans les carrières hospitalières, alors là, on leur dit non, mesdames, c'est pas doctoresse. Ici, il n'y a pas de doctoresse, il n'y a que des docteurs. Hein. Donc, ben, elles ont dit oui. Et bien souvent, les femmes disent oui, acceptent. Peut-être pas ravies, certaines sans doute très contentes d'être enfin d'avoir un peu crevé le plafond, ce qu'on appelle les plafonds de verre là aujourd'hui, parce qu'elles sont enfin parmi les gens importants.
mais d'autres ont dû simplement accepter parce qu'elles avaient d'autres chats à fouetter, on pourrait dire. Hein. C'est-à-dire qu'elles avaient tellement d'autres combats à mener pour s'imposer que souvent les femmes cèdent les premières sur la question de la langue, hein, parce qu'il y a d'autres choses à faire, d'autres batailles à mener. Mais il y en a toujours qui ne cèdent pas, et voilà, et de nos jours, nous devrions parler des doctoresses. Il y a deux ans, il y a eu une lutte très intéressante à Lyon, à l'université Lyon 1, où des diplômés en mathématiques ont refusé le diplôme de doctorat qu'on voulait leur donner parce qu'il y avait écrit, ce n'était pas un diplôme de doctorat, il n'y avait pas écrit diplôme de doctorat, il y avait écrit diplôme de docteur. Elles ont dit non, nous sommes des doctoresses. Donc ça a fait un foin pas possible parce que tout leur jury était d'accord, donc ils ont barré les mots docteur sur les papiers administratifs et l'université a refusé de leur délivrer leur doctorat. Donc elles sont parties pour 3 mois de lutte. Au bout de 3 mois de lutte, il y a beaucoup de gens qui s'en sont mêlés. C'est remonté jusqu'au ministère. Et depuis, c'est perdu dans un couloir ou un tiroir du ministère. Voilà. Et bien entendu, la solution existe. Il n'y a pas besoin de mettre diplôme de docteur aux garçons et de doctoresse aux filles. Il y a simplement besoin de délivrer des diplômes de doctorat. De même qu'on délivre depuis des années et des années des diplômes de licence ou de maîtrise ou de master ou de baccalauréat, etc. On délivre des baccalauréats et pas des bacheliers. On a compris, on sait faire. Notre langue sait faire. Mais le diplôme le plus haut, il y a encore des universités qui ne savent pas faire et qui ne veulent pas faire. Hein. Donc oui, ce sont les mots qui désignaient les occupations, les fonctions, les dignités que les hommes estimaient, que les hommes qui ont fait ça, encore une fois, pas tous les hommes qui ont fait ces changements dans notre langue, ils estimaient, un certain nombre estimaient que ces fonctions étaient masculines, purement masculines. Les fonctions de savoir, les fonctions de création, les fonctions de pensée, les fonctions de jugement. Donc on a tous ces termes qui ont été condamnés, et puis ensuite, bon, ils ne se contentent pas de les condamner, quand ils font des dictionnaires, ils ne les mettent pas dedans. Alors on a l'impression, nous, quand on regarde le dictionnaire, vous voyez, c'est un mot qui n'existe pas, il n'est pas dans le dictionnaire. Ah ben oui, mais maintenant on sait, parce qu'on a aussi beaucoup de textes qui sont numérisés, on sait que les contemporains et les contemporaines les utilisaient. Et même parfois, ils se disaient, mais qu'est-ce qui nous embête les académiciens là à nous dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser tel mot, alors qu'on l'utilise tous les jours à Paris. Hein, y a un critique de littéraire, par exemple, au XVIIIe siècle, qui dit ça. Il dit, mais enfin, on dit tous les jours une libraresse, une commissaresse. Pourquoi il ne faudrait pas dire ces mots-là ? Une autrice. Donc, on a non seulement aujourd'hui la preuve que ces distorsions par rapport au fonctionnement normal de la langue française ont été créées, on sait qui, on sait quand et on sait pourquoi, parce qu'il y en a qui disent c'est fait pour les hommes ces mots-là sont faits pour les hommes qui font ces professions et pas les femmes. Hein, bon. Et puis on sait qu'il y a eu aussi des protestations moins systématiques qu'aujourd'hui, puisque nous aujourd'hui on mène une réflexion systématique parce qu'on est dans des pays qui ont officiellement acté l'égalité. Donc on se demande pourquoi 70 ans plus tard, on en est toujours là où on en est. Alors on se réfléchit, ben on dit les mentalités, les machins, les trucs. Ah ben la langue aussi. La langue fait partie de ce qui freine hein, l'avancée de l'égalité. Et du coup, on retrouve les gens qui ne veulent pas que ça avance, hein, en train de camper sur « mais non, mais elle se trompe, mais c'est pas vrai, on ne peut pas dire ça, il faut dire une femme écrivain et pas une écrivaine ». Oui, mais non, une femme écrivain, c'est comme un homme grenouille, je veux dire, ou un enfant roi. Quand on dit ça, on met deux trucs à côté, on essaye de les... Et on montre que ça ne fonctionne pas ensemble, que la nature de l'un ne va pas avec la nature de l'autre. Alors qu'une écrivaine, c'est là depuis... On a des attestations du mot écrivaine depuis le XIIIe siècle, à Paris, au Châtelet, cour de justice. Il y avait des femmes, des greffières, qui étaient des écrivaines.
Il y avait pignon sur rue. Donc voilà. Donc maintenant, on sait tout ça et on peut avancer parce qu'on sait qu'on a raison et que ce sont... On sait que ce n'est pas tombé du ciel, que ce n'est pas la langue française qui est comme ça. Non, elle a été changée. Et donc, on peut reprendre un petit peu nos droits dessus, en même temps qu'on reprend de la place dans la société. Ce que je trouve frappant aussi dans la pièce, c'est le... Enfin, c'est, au début, c'est la faute des femmes. Enfin, il y a un peu un côté... Voilà, est-ce que tu peux essayer de nous en dire un petit peu, enfin, je fais exprès de te poser la question en ce sens, mais par rapport à ce qui vient d'être dit. Qui, quoi, comment et... Ben, c'est plus voilà, une question de responsabilité. Et en fait, effectivement, comme tu l'as dit, beaucoup en fait, ont dû choisir entre la peste et le choléra. Donc parfois, pour pouvoir occuper telle fonction, il valait mieux l'occuper et renoncer à la langue. Mais après, je pense que cette question de la responsabilité, elle est essentielle parce que jusqu'à, c'est encore aujourd'hui. Je pense que peut-être qu'à un moment donné, oui, il y a eu du renoncement. Et je pense que s'il y a une responsabilité, voilà, si chaque personne travaille à ces questions collectivement, les femmes et les hommes ensemble, main dans la main, parce que ça ne pourra pas changer sans cette aide, cette prise de conscience également des hommes, on pourra faire en sorte qu'il y ait moins d'inégalités. Mais par rapport justement à cette notion, pour moi, en fait, je pense qu'il y a quelque chose de très important. C'est qu'en fait, c'est comme s'il y avait une inégalité d'être. Et qu'en fait, tous les droits, du coup, qu'on n'avait pas venaient de là. Parce qu'en fait, c'est comme s'il n'y avait pas cette autorisation d'être, cette légitimité d'être. Et que donc, tous les droits, ben, ça suit. On ne les a pas. Il faut lutter. Il faut, voilà, et en fonction des pays, c'est plus ou moins dramatique, etc. Mais parce qu'en fait, voilà, il y a cette illégitimité, presque, d'être des femmes encore aujourd'hui. On doit demander l'autorisation pour être, pour penser, pour s'appartenir, être à soi. Et en fait, je pense qu'il faut, par rapport à cette notion de responsabilité, en fait, il faut déconstruire. Tu as dit aussi ce mot. Et en fait, c'est à chacune et chacun de déconstruire en soi, en fait, le patriarcat qui est là. Les hommes en souffrent, je pense, autant que les femmes, même si les natures peuvent être différentes. Et donc, en fait, c'est voir aussi en soi sa propre soumission. Parce qu'en fait, nous naissons dans ce système. Donc en fait, nous devons, nous aussi, nous défaire, prendre conscience. C'est très complexe, c'est très long, ça met du temps. Et c'est en ça qu'il y a cette notion de responsabilité. Et que, comme c'est un long chemin et que c'est difficile, peut-être qu'effectivement, quand on a cette conscience, peut-être aider les autres à en prendre conscience. Il y a ça aussi, c'est ce que font ces deux femmes en fait. Elles écrivent et donc elles vont aider les autres à retrouver la parole par l'écriture. Ça se fait ensemble, par la sororité. Si je peux rajouter quelque chose, je pense que ce que tu viens de dire est très important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le fait que des mots ont disparu, et qu'ont disparu ou sont moqués, ou sont, enfin, il ne faudrait pas les utiliser, ce qui empêche évidemment le fait de pouvoir se représenter, et donc se projeter, mais il y a quelque chose de bien plus pervers dans le système tel qu'il a été fait, tel qu'on en a hérité. C'est pas que les femmes, on leur demande de se taire, c'est qu'on leur demande, chaque fois qu'elles ouvrent la bouche, d'admettre que les hommes sont plus importants qu'elles. Chaque fois qu'on dit, par exemple, on va s'interdire de dire... voilà, il y a une assemblée là où il y a peut-être un homme ou deux, et on nous a mis dans la tête qu'il faut parler au masculin. Même s'il y a 100 femmes et un homme, il faut parler au masculin. Et quand on fait les accords, on sait que s'il y a un être, que ce soit une table, ou c'est même pas seulement les personnes, ça va jusqu'aux objets. Hein, une table et un tableau, eh bien, sont beaux. Pourquoi ? Pourquoi le tableau est plus important que la table ? Et c'est une chose qu'on nous a mis, c'est un système qu'on nous a mis dans la tête quand on est petit. Et chaque fois qu'on ouvre la bouche, si on parle selon ce système, on admet que nous sommes moins importantes que les hommes. C'est terrible, comme quand on prend conscience de ça,
Bien sûr qu'on ne s'en rend pas compte la plupart du temps, on ne s'en rend même pas compte, tellement on l'a intégré. Mais il y a, aujourd'hui, on sait qu'il y a un continuum dans les violences qui sont faites aux femmes. Et voilà, dire que le masculin l'emporte sur le féminin, sans fille et un petit chat sont morts, ça veut dire que les hommes doivent toujours avoir le dernier mot et que les femmes doivent s'effacer, se taire accessoirement, ou s'effacer, se taire. Et si elles ne se taisent pas, pourquoi serait-il surprenant qu'elles se reçoivent une baffe ou un coup? Je veux dire, il y a un lien entre tout ça. Et là, quand on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on accepte ça jusque... Pourquoi est-ce que tu n'es pas partie, on dit aux femmes, battues pendant 20 ans, pourquoi est-ce que tu n'es pas partie avant? Parce qu'il y a tout ça qui pèse. Il y a non seulement la réalité matérielle, généralement, qu'on ne peut pas partir parce qu'on n'a pas l'argent, parce qu'il y a les enfants, parce que ceci, parce que ça coûterait très cher, mais il y a aussi cette intégration de symbolique du fait que les hommes ont toujours raison. C'est toujours eux qui doivent dominer. Je crois que c'est quelque chose, ce que j'évoquais tout à l'heure à propos de la mission égalité, c'est-à-dire qu'en fait tout ça fait système, et en fait évidemment l'action elle est à prendre à tous les bouts et tout le temps, alors c'est évidemment complexe de tout faire en même temps, mais je suis d'accord avec toi, il y a bien un continuum entre choisir de faire tel type d'études, parler, avant même encore en amont, et jusqu'à la question des violences sexistes et sexuelles. On voit combien tout ça finalement, oui, repose sur des phénomènes et de différenciation et d'hiérarchisation sous-jacents, et que c'est pas déconnecté. Absolument. Et justement, la clé est dans le passé. C'est-à-dire que justement, en ayant accès au passé, comme toi tu l'as fait par exemple pour nous dire, tiens, tel siècle, on sait déjà que tel mot existe, etc. Et bien par exemple, par rapport aux violences, dans le code de Napoléon, il y avait un article de loi qui marquait clairement qu'un mari avait le droit de tuer sa femme s'il la prenait sur le fait accompli avec son amant. Constance de Salm, une très grande écrivaine du 19e, a condamné, s'est battue, a écrit un épître à Napoléon, justement, pour dénoncer cet article de loi. George Sand également avait écrit aussi là-dessus. Si on ne sait pas qu'il y a eu une autorisation, une légitimation de ça, voilà, c'est compliqué de comprendre que ça puisse encore arriver aujourd'hui, mais en fait, ça a été à un moment donné légitimé. Donc c'est là dans l'inconscient collectif et c'est très long. Mais en fait, il faut avoir accès justement à ces écrivaines du passé. C'est pour ça qu'il faut transmettre leurs pensées, leurs forces, leurs combats, etc. Parce qu'elles-mêmes déjà se sont battues. Et pour qu'on voit aussi d'où on vient. C'est vraiment important de savoir que voilà, les racines sont très profondes et qu'elles nous donnent les clés en fait. Et voilà, il faut le dire. Parce que parfois quand on dit ça, on nous dit non, c'est pas possible. Et pourtant... Alors je vous propose qu'on ouvre le débat avec tout le monde et voilà, qu'on prenne les questions aussi dans la salle. Peut-être un tout petit peu d'éclairage, si c'est possible, pour qu'on voit la salle. Voilà, merci beaucoup. Alors, qui est-ce qui souhaite poser une question? Qui a une remarque sur ce qu'on a entendu ou pas? On a encore des lumières dans l'année, mais on vous voit maintenant, oui, oui. Donc c'est mieux. Merci beaucoup. Merci. Des questions ou des remarques? Oui. Je vais passer le micro. Attendez le micro parce qu'on ne vous entend pas là. C'était pour savoir à quoi vous faisiez référence exactement quand vous parliez du renoncement des femmes. Est-ce que vous faisiez référence à une époque en particulier, un événement? Vous avez parlé de renoncement. Par rapport au renoncement, par rapport à la pièce ou au renoncement, je pense que oui, beaucoup renoncent à beaucoup de choses en fait pour pouvoir pas trop souffrir.
ou le moins possible, ou se conformer au maximum à cette société, parce que quand on se rebelle, on prend des coups aussi. Donc je pense que, en fonction des caractères, des époques, des cultures, beaucoup se sont battus de mille manières, mais parfois, il y a un renoncement, peut-être finalement le plus terrible, c'est le renoncement à soi. C'est-à-dire finalement accepter de se conformer à ce qu'on veut de soi. Je pense que c'est celui-là le pire en fait. Déjà merci encore. Enfin, c'était vraiment très 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 intéressant et j'avais une question. Quand vous parliez justement de ces mots qu'on nous a appris, on nous a appris qu'ils n'existaient pas comme écrivaine par exemple. J'ai pensé au fait que dans d'autres langues, par exemple en anglais, quand on dit writer, c'est à la fois pour désigner le masculin et le féminin. Et du coup, ma question, c'était justement en fait, qu'est-ce qui nous bloque nous en français, par exemple, aussi par rapport à la question du doctorat, de la licence, du bac, etc. C'est vraiment par rapport à tout ce que vous avez dit. Je me demandais juste en fait. Elle n'est pas très claire ma question, mais je me suis dit, mais il y a forcément une langue dans le monde, je crois qu'il y a environ 6000, 7000 langues où il y a le féminin qui prévaut sur le masculin, ou je ne sais pas, j'étais simplement en train de réfléchir à ça, au fait qu'en fait, dans plein d'autres langues, il y a des termes qui sont neutres et qui désignent à la fois le masculin et le féminin, et pourtant, parfois quand on pense à un writer, on se représente plus un homme directement. Enfin, je ne sais pas du coup ce que vous pensez de ça, mais désolé, ce n'était pas très clair. Je ne suis pas sûre d'avoir tout entendu, mais je vais répondre à ce que je crois comprendre, mais puis vous me direz s'il y avait autre chose. Oui, on compare souvent nos efforts avec ceux qui sont faits dans la langue anglaise, et bien entendu, ils ne sont pas du tout les mêmes parce que alors aujourd'hui il faut bien comprendre que la réflexion sur les rapports de force entre l'expression des deux sexes, on va dire, dans les langues, c'est une réflexion qui commence, on va dire, c'est à quelques décennies, et ce qu'on observe, c'est que ça ne se passe pas dans toutes les langues pareilles. On sait qu'il y a des langues sans genre, par exemple. Il n'y a pas de masculin, il n'y a pas de féminin, il n'y a pas de neutre. Voilà. Mais en fait, on sait aussi, le peu qu'on sait, c'est qu'on a étudié, c'est que la domination de la manière dont on parle des hommes et la manière dont on parle des femmes, le fait que les hommes dominent, doivent être dominants, ça c'est dans toutes les langues. Ça ne s'exprime pas de la même façon que dans les langues à genre, mais voilà. Alors, entre l'anglais et le français, s'il faut comparer l'anglais, par exemple, aux langues romanes. Nous sommes une langue romane. On n'a pas exactement tous les mêmes problèmes que les gens d'Italie ou qui parlent l'italien ou l'espagnol ou le portugais, mais quand même, on est des langues romanes. Et dans les langues romanes sont des langues très genrées. À savoir que la majorité des catégories grammaticales varient en genre. Non seulement les noms, mais les pronoms, les adjectifs, les participes, les déterminants, c'est-à-dire les articles, etc. etc. Donc c'est ça qui fait le genre, c'est-à-dire le fait que, moi je dis, il y a une équipe rouge et une équipe bleue, et donc voilà, quand on est parti avec un substantif féminin, bah, tout ce qui va avec lui doit être de la même couleur. Hein. Donc l'équipe rouge, c'est pareil, mettons rose si vous voulez, pour aller plus simple, et puis il y a l'équipe bleue. Donc ça, c'est lourd dans nos langues. Et si on ne respecte pas c'est lourd et c'est constitutif de nos langues. On doit dire que la chienne est gentille. On ne peut pas dire le chien est gentil. Hein. Bon, sinon, on fait ce qu'on appelle des fautes. Donc, c'est un système, c'est comme ça.
on fait des comptages, on sait que, par exemple, les deux tiers des noms varient. Hein, donc c'est énorme, c'est des noms de personnes. Les noms de personnes, il y en a à peu près 5000 dans notre langue. Les deux tiers varient. Caissier, caissière, boulanger, boulangère, facteur, factrice, voisin, voisine, etc. Bon. Ça s'impose dans nos langues. Et notre problème par rapport à... Et tout le monde le sait, tout le monde sait faire, personne ne confond son coiffeur et sa coiffeuse. Voilà, on sait faire, on a un système qui sait faire des noms féminins et des noms masculins, on sait faire avec les adjectifs, on sait faire avec les pronoms, enfin voilà, c'est notre système. Ce pourquoi nous discutons ce soir, c'est parce que quelques poignées d'hommes ont décidé de changer quelques poignées de mots. Alors, bien sûr, ils ont gagné là, quelque part, ils ont gagné parce qu'ils étaient peut-être pas nombreux, mais ils avaient des diplômes, ils avaient l'académie, c'est soutenu par l'État. Ensuite, c'est leur pensée qui est passée dans ce qu'on apprend à l'école, etc. Bon, mais c'est rien du tout par rapport à notre langue fonctionne parfaitement. Le jour où on a décidé de dire écrivaine. Ben voilà, l'écrivaine est formidable, elle est gentille, on sait faire. Elle est intelligente, ou elle est plutôt pas très intelligente, elle est idiote, ou elle est idiot, on sait faire. Donc, il faudrait arrêter de se faire des montagnes avec ces quelques mots que des gens ont voulu transformer ou condamner, et de même... avec le système des accords dont je parlais tout à l'heure. Hein, le système des accords, nous avons hérité du latin, qu'il avait hérité du grec, des manières de faire les accords égalitaires. Ça s'appelle les accords de proximité, ou les accords de majorité, ou les accords d'importance, les petites filles et le chat, on peut estimer qu'on peut dire morte. Morte, c'est peut-être pas guette forcément de parler de ça, mais je veux dire, c'est pour que vous entendiez la finale. Hein. Donc, on peut estimer que des petites filles sont plus importantes que le chat. Et c'est ce que faisaient nos ancêtres. Ils savaient faire des accords en fonction de l'importance, vous voyez, plutôt que de dire le masculin l'emporte sur le féminin. Ils faisaient des accords de proximité. Le dernier mot qui arrive, hop, c'est lui qui l'emporte. Hein. Donc, notre problème, c'est que ces mécanismes qui sont très simples, que tous les enfants comprennent quand on leur présente, avant qu'ils aient la tête, le cerveau lavé comme nous l'avons eu, ça serait très facile de remettre ça en circulation, voyez, plutôt que de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas parler une autre langue que la nôtre, par exemple l'anglais. Alors bien sûr, si on veut parler l'anglais, on parle l'anglais, mais on ne va pas faire en français, en italien, en espagnol, le système anglais. En anglais, le genre est très peu, il est presque plus là que pour les pronoms personnels et pour les déterminants personnels. Ma chaussure, etc., c'est en fonction de la personne. Si une femme qui parle, ça ne va pas être le même mot que si c'est l'homme qui parle. Mais, alors, il y a deux choses à dire par rapport à ça. Bah, voilà, l'anglais, c'est comme ça. Et puis l'allemand, c'est encore autrement. Et puis le javanais, que je ne connais pas, ça doit être encore autrement. Hein. Donc dans chaque pays, on se pose les questions de ne pas d'avoir une langue plus... Aujourd'hui, les féministes, les progressistes se posent la question d'avoir une langue plus égalitaire. Par exemple, en anglais, on a supprimé tous les mots qui avaient... Enfin, on essaye de ne plus utiliser les mots qui comprenaient le mot « man » dedans. « Chairman »,« fireman ». Firemen, les pompiers, hein. Donc on dit firefighter aujourd'hui, ceux qui luttent contre le feu, ou bien on dit chairperson, voilà. Donc c'était très peu quelque part le travail qu'il y avait à faire en anglais. Moi, je rajouterais en tant qu'historienne de la langue, c'est que le problème de l'anglais, c'est qu'il est 10 fois plus sinistré que le français, à savoir que les féminins ont disparu. Il y a plus qu'une centaine de mots, de noms qui varient, comme encore queen et king, le roi, la reine, c'est encore deux mots différents. Actor, actress, c'est encore deux mots différents. Master, mistress, c'est encore deux mots différents. Mais tous les féminins qui existaient il y a fort longtemps
ont quasiment disparu. C'est-à-dire que le travail de nos masculinistes français, là, espagnols, il a beaucoup mieux fonctionné là-bas. Donc aujourd'hui, quand on dit director ou physician, c'est fait pour les deux sexes, en fait, c'est des masculins. C'est des masculins dans un contexte linguistique où les féminins ont été éradiqués. Hein? Bon, alors, voilà ce qu'on peut dire. La dernière chose, le neutre. Beaucoup de gens se racontent des histoires avec le neutre, on dit qu'on ne pourrait pas parler au neutre. Le neutre, dans les langues où ça existe, n'est pas fait pour parler des personnes. Le neutre, c'est fait pour parler des choses. Hein? Si vous pensez à l'anglais, c'est he, she et it. La table, c'est it. Ça, c'est du neutre. On ne va pas se mettre à parler des gens au neutre. Donc, dans les langues où il y a du genre pour parler des hommes et des femmes, il faut résoudre le problème tel qu'ils doivent être résolus dans la langue où ça se pose. En anglais, on enlève les firemen, on enlève les man et tout ça, et puis on réfléchit, il y a quand même deux, trois autres petites choses qui sont à la réflexion. En allemand, c'est un autre problème. En français, on sait faire. Il faut juste il faut juste être d'accord pour le faire. Il y a des gens qui disent c'est chiant. C'est chiant, dira les étudiantes et les étudiants, les femmes et les hommes. Ben oui, mais moi je dis trier ses déchets aussi, c'est chiant. Voilà. Et pourtant on le fait. Enfin, je crois qu'on le fait. On a décidé un jour que même si on n'avait pas la police derrière nous, un gendarme derrière nous, on allait le faire parce qu'on avait compris qu'il y avait une utilité quelque part pour notre bien à tous et toutes de faire ça. Donc, si on a la même réflexion sur on veut une société égalitaire, on ne veut plus parler des femmes au masculin ou dire que cette assemblée, là, on va parler d'elle au masculin, eh bien, on va dire les auditeurs et les auditrices. Voilà. Et ça nous a coûté quoi de dire les auditeurs et les auditrices? Je suggère, de dire avec l'ordre alphabétique. Pas est-ce que je mets les femmes devant, la galanterie, tout ça, la goujaterie, tout ça. Non, l'ordre alphabétique, les auditeurs et les auditrices. Et on peut continuer avec l'accord de proximité. Les auditeurs et les auditrices ont été très satisfaites de ce débat. Nos ancêtres faisaient ça, Racine faisait ça, il écrivait ça. On peut bien le faire, non? Voilà. Donc, on sait faire, on a les outils, la langue a toutes les ressources. Il faut que nous, on ait envie d'avoir qu'on se renseigne un petit peu sur ce qui est possible. Et ensuite, ben, quand il y a deux mots, ouais, je vais dire les deux mots. Je vais dépenser peut-être 2-3 nanos machin de salive de plus, peut-être, mais je peux le faire. Et si je ne le fais pas, c'est parce que, comme tu disais tout à l'heure, je ne me sens pas responsable. Voilà, on sait aujourd'hui qu'on est responsable, de même qu'on est responsable de notre planète, et puis de ne pas jeter les papiers par terre, parce que voilà, c'est une question de conscience. Eh bien, je vais faire cet effort de parler aussi des femmes, parce qu'il y a aussi des femmes dans le monde. Ou bien je ne le fais pas, parce que je trouve que ce n'est pas grave, ce n'est pas important, les femmes, du moment que j'ai dit le mot masculin. Voilà, donc ça, aujourd'hui, c'est de notre responsabilité, je suis absolument d'accord avec ça. Il y a 50 ans, c'était difficile où les femmes âgées qui ont commencé leur vie politique en étant, je ne sais pas moi, il fallait être maire, c'était le maire, parce que sinon on se moquait d'elle. Bon, c'est pas grave, mais les jeunes femmes aujourd'hui, elles doivent comprendre ça et elles doivent assumer ce combat, si elles sont pour l'égalité. Après, on a le droit de ne pas être pour l'égalité. Mais si on est pour l'égalité, il faut faire cet effort-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre... Peut-être préciser que nous, à Sorbonne Université, notamment dans la fondation de l'université qui est issue d'une fusion entre deux autres universités, Paris-Sorbonne et Pierre et Marie Curie, on a fait ce choix d'une écriture égalitaire au moins dans la communication institutionnelle, donc c'est en train de se mettre en place, mais on nous dit que ce n'est pas facile, c'est compliqué, ça prend du temps, ça prend plein de place. Donc le choix a été fait de décliner les termes étudiantes et étudiants,
maître de conférence, maîtresse de conférence, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, dans les discussions qu'on a pu avoir à ce sujet, moi je sais que j'ai une collègue un jour qui m'a dit « j'ai pas postulé à telle prime parce que le courrier était adressé qu'à des collègues hommes, donc j'ai pensé que c'était pas pour moi ». Et là, un jour, on se dit, il y a quand même un souci. Si on veut que tout le monde se sente concerné, effectivement, comme tu dis, ça ne coûte pas tant de signes que ça dans la langue, pas tant de caractères, pas tant de... Voilà, que de décliner l'ensemble des termes. Bon, après, ça pose encore d'autres questions aussi. C'est ce que nous renvoient, par exemple, certains étudiants. Ils ne se reconnaissent pas dans le fait d'être obligatoirement catégorisés comme un homme ou comme une femme. Ça, c'est aussi une autre question qui se pose à l'heure actuelle dans ces choix qui ont pu être faits. Mais en tout cas, nous, pour l'instant, dans l'état de la réflexion actuelle, c'est d'essayer de prôner une communication qui soit inclusive au sens égalitaire, on appelle ça l'écriture égalitaire, au sens de décliner au masculin ou au féminin, ou d'utiliser des termes dits épicènes, ou la communauté étudiante, des termes englobants, pour parler de tout le monde. Voilà. Et d'essayer de le faire aussi, par exemple, à l'oral. Parce que souvent, on nous dit qu'on ne peut pas parler égalitaire. J'ai sursis. Bien sûr qu'on peut aussi parler égalitaire, si on le souhaite. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Bonsoir. Avez-vous prévu de jouer la pièce, par exemple, en banlieue, parce que je pense qu'il y a une demande de ce genre de sujet. Moi, je vis à Saint-Ouen où il y a 100 nationalités et à Aubervilliers, il y en a 140 nationalités. Et donc, il y a un travail à faire partout. Mais je me demande s'il n'y a pas un effet cumulatif lorsqu'on est de banlieue, noir, femme, etc. Enfin, voilà ce que je voulais dire. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a des mots pour parler de ça. C'est l'intersectionnalité. C'est quand on va mêler le racisme, le sexisme. Oui, j'imagine qu'il y a beaucoup de travail à faire là-bas. Alors, pour l'instant, on n'a pas prévu de jouer la pièce encore dans d'autres endroits. Mais si vous avez des endroits à nous partager ou des possibilités, on sera heureuse de le faire. J'aimerais aussi également la monter à Barcelone où j'habite. Voilà, je pense qu'il y a également une communauté française où on pourra jouer là-bas. Oui, il y a, j'imagine, beaucoup de choses à faire. Oui. Bonsoir. Je me demandais, est-ce que vous pensez que quand vous parlez des mots qu'on a entre guillemets oubliés, ces mots qui existaient avant et que certains ont censuré, est-ce que vous pensez que forcer la faute dans la vie de tous les jours, quand j'écris un courrier à quelqu'un, je force la faute en disant c'est une écrivaine, elle est professeure, enfin non, comment elle est professeuse, merci, des universités, et qu'on me dit non, c'est une faute, est-ce que vous pensez que forcer la faute peut-être un moyen justement d'amener de plus en plus de monde à accepter, à réhabiliter ces mots. Alors, je ne sais pas s'il faut forcer quoi que ce soit, mais il faut utiliser les mots qu'on estime justes. Et dès qu'on le fait, soi-même, d'abord, les gens les entendent. Et le problème de la langue, c'est souvent ça, c'est le fait d'avoir entendu. Quand on n'a pas entendu, on trouve bizarre. Au bout de 10 fois, on trouve moins bizarre. Au bout de 100 fois, on trouve plus bizarre du tout. Donc, il faut passer à l'acte. Et ensuite, si ça gêne des gens, en général, les gens comprennent parfaitement. Ils n'ont pas de problème de « mais qu'est-ce que tu as dit ? J'ai pas compris. Quel mot, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là ?» etc. Ils comprennent très, très bien. Hein. Donc, soit ça passe, et ça fait un coup de plus que dans leurs oreilles, un petit coup de plus dans leurs oreilles, soit ça va poser question, et c'est intéressant d'avoir ce débat-là. Hein. Mais voilà, pourquoi moi je le dis, pourquoi et c'est pas, il y a pas besoin, je crois, enfin je ne préconise pas du tout de faire les gros yeux aux gens qui veulent pas encore. Il faut laisser le temps au temps. Hein. Moi je dis souvent, j'ai mis 4 ans à dire autrice. Je savais qu'il fallait le dire, je pouvais pas. Ça me sortait pas. Le jour où je l'ai dit, ben voilà, et mes étudiantes et mes étudiants ont vu aucun problème, et ils se sont mis à le dire tout de suite. Donc c'est
voilà, il faut laisser le temps. Il y a des gens qui s'y feront jamais. Je pense que Madame Carrère-Dancausse mourra secrétaire perpétuelle au masculin de l'Académie. Mais il y a des gens qui s'y mettent tout de suite, et il y a même des gens qui après vous disent « Oh, mais moi j'ai toujours dit ça !» T'es sûr ? Il y a 10 ans, tu disais ça ? Bon, donc c'est un problème de temps, et plus on entend un mot, plus vite on s'y habitue. Par exemple, on parle souvent du mot « chancelière », la chancelière Merkel, qui a été nommée chancelière, je crois, en octobre 2005. En septembre, c'était un mot impossible à dire, enfin, selon certaines personnes, parce que tout le monde connaît bien chancelière, hein. Bon, mais voilà, c'était inaudible, on ne pouvait pas le dire. Et quand elle a été élue, on a regardé les journaux à cette époque-là, hein. Ça a patiné un peu pendant 15 jours, 3 semaines, 2 mois. Le chancelier Merkel, le chancelier, alors après on se prend les pieds dans le tapis, parce qu'on dit le chancelier était très content, ah non, c'est contente, ah, mais bon, ça marche pas, parce que justement la règle en français c'est que ça s'accorde, tout ça, bon, et les journaux les plus rétifs à utiliser les féminins, à savoir le Figaro, il a mis 2 mois, au bout de 2 mois ils ont cédé. Ils ont fait une grande enquête, c'est très très drôle, auprès de leur lectorat. Tout le lectorat a dit « pas question, pas question ». Et ils sont assis sur la décision du lectorat et ils ont changé. Et ils ont dit « la chancelière ». Voilà. Donc pourquoi ? Parce que pendant quelques, voilà, déjà quelques semaines, tout le monde ne parlait que de ça. Donc le mot est rentré tout de suite. Et on expliquerait aujourd'hui à des gens qu'on ne peut pas dire chancelière, après 15 ans de Merkel. Ça serait bizarre, quoi. Donc, les mots qui vous semblent les plus bizarres, professeuse, par exemple, qui est un mot tout à fait normal que nos ancêtres ont utilisé, que Voltaire utilisait. Vous n'avez jamais entendu professeur, le Voltaire, hein? Bon. Donc, voilà, c'est coiffeuse, c'est fumeuse, c'est emmerdeuse, c'est tout ce qu'on veut. Enfin, c'est un mot français, professeuse. Alors, vous l'utilisez et... Donc, dans 3 ans, 5 ans, on dira professeuse. Voilà. Donc, ensuite, c'est vous-même qui devez faire votre choix en réfléchissant à ça, en réfléchissant peut-être à votre responsabilité, mais si vous ne vous sentez pas, ben, le faites pas, parce que vous ne pourrez pas le défendre. Mais si vous vous sentez, allez-y, parce que la langue est à nous. La langue est à nous, et la langue n'est pas aux académiciens et aux 3 académiciennes là, qui doivent rester plantées quelque part, là, je ne sais pas où, pas loin d'ici. Donc la langue, elle est aux gens qui parlent. Donc le jour où on a inventé des blogs, on dit blog, et qui va nous empêcher de dire blog ou blogueur ou blogueuse ? Personne. Donc ce n'est pas parce qu'il y a quelques fonctions très haut placées dans la hiérarchie sociale autour desquels campent la haute administration, on va dire, et puis les académiciens, et puis quelques intellectuels qui ont oublié d'ouvrir des livres depuis quelque temps, qu'il faut les écouter. Il ne faut pas se laisser impressionner. Il faut utiliser les mots qu'on a envie, qu'on trouve justes. Voilà. Merci. C'est ce que je pense. Ouais. Bonjour. Je voulais savoir comment faire passer l'accord de proximité. Parce que ça, c'est un peu plus compliqué. Enfin, il y a eu une tribu dans le monde, il y a eu des choses, mais en fait, il y a toujours quand même un refus du gouvernement, enfin un petit peu, pour l'accepter. Parlez plus près du micro, parce que sinon, on ne vous entend pas. Pour l'accord de proximité, comment le faire passer plus... qu'est-ce que vous voyez comme moyen pour l'intégrer ? Il y a eu une tribune dans le monde, à un moment, on a parlé, mais il y a à la fois l'académie, quand on a à la fois l'académie qui est contre, et puis le gouvernement qui n'est pas tout à fait pour, que faire ? Parce que là, c'est une question grammaticale. En fait, on se retrouve à dire « Ah, ben là, fait une faute, ou il y a quelque chose. » C'est moins évident que d'intégrer un nouveau mot, même si je trouve ça fabuleux, enfin, l'accord de proximité. L'accord de proximité a été enseigné par l'école française jusque dans les années 30 du XXe siècle. On a des manuels scolaires qui expliquent que c'est possible. Alors, bien sûr, c'était... un peu soft, c'est-à-dire qu'il ne l'acceptait, enfin on a des exemples dans les manuels, etc., juste à propos des choses, pas à propos des gens. Mais nos grands auteurs,
les utilisait avec, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, hein, les auditeurs et les auditrices sont très satisfaites. Et quand on les utilise, ces accords de proximité, en général, le public ne s'en rend même pas compte, tellement c'est intuitif. C'est pas pour rien que cet accord s'est transmis depuis le grec jusqu'au latin, depuis le latin jusqu'au espagnol, en italien, en français, etc. C'est parce que c'est intuitif. Parce que la règle que nous apprenons, elle n'est pas intuitive. La règle que nous apprenons, c'est « Ah, j'ai plusieurs mots à accorder, je m'arrête, je réfléchis, est-ce qu'il n'y a pas un mot masculin dans le groupe ?» Et une fois que j'ai repéré un mot masculin dans le groupe, même s'il est 15, il y a 15 mots féminins puis un mot masculin quelque part, je peux dire mon truc. Alors, bien sûr qu'on a appris à le faire. Donc, dans la conversation. Mais c'est contre-intuitif. Donc, il suffirait, alors maintenant c'est la bagarre qu'on doit mener, oui. Il suffirait que l'école recommence à enseigner ces choses-là. Et encore une fois, elle l'a fait très longtemps, et c'est pourquoi on trouve dans les textes, jusqu'à la fin du 19e siècle, on trouve des gens qui utilisent des accords de proximité. Les éditeurs laissent passer, puisque c'est du français, c'est du bon français. Voilà, nous, on a arrêté d'enseigner ça. Alors, en tant qu'historienne, je pourrais dire, on arrête d'enseigner ça dans les années 30-40 parce qu'on s'approche du moment où les femmes vont être citoyennes. Alors là, il faut freiner ailleurs. D'accord ? Donc, on se met à condamner d'autres mots, etc., etc. Mais c'est très facile, c'est totalement intuitif. Donc, utilisons-les, remettons ça en route. Il y a des journaux déjà qui font ça, hein, des journaux aujourd'hui, comme Slate, comme Le Monde réfléchit à ça et laisse passer maintenant des accords de proximité, alors qu'avant les correcteurs et les correctrices les bloquaient. Parce qu'en plus, il y a ça aussi. Hein, les journalistes font pas tout à fait ce qu'ils veulent dans tous les journaux. Mais donc, il faut le faire et ça va être de plus en plus. Ça sera de plus en plus courant. Mais il est sûr qu'il faut obtenir que l'école enseigne l'accord de majorité ou l'accord d'importance et l'accord de proximité. Et pas simplement dire « Ah oui, mais c'est Racine, vous comprenez, un homme comme lui pouvait se permettre. Et vous, petits enfants, vous ne pouvez pas vous permettre. » Ben si, on peut se permettre. Parce qu'il ne l'a pas fait parce qu'il était un grand génie. Il l'a fait parce que le français l'autorise. Donc voilà, il faut recommencer à enseigner ça et faut se déconstruire. Nous, il faut qu'on se lave la cervelle parce qu'on nous l'a lavé dans l'autre sens, quoi. Oui, mais moi, j'enseigne le français à des étrangers, donc je me vois mal par ma propre décision dire bon, maintenant la règle. Voilà, j'ajoute des mots. J'ai écrit aussi sur le fait qu'au 18e, on pouvait dire auteur, auteuse, autrice, qu'il y avait c'est tous ces mots qui sont. Mais il faudrait quand même une décision institutionnelle pour l'enseigner. Non, vous n'avez pas besoin de... Alors, non, pas du tout. Vous n'avez pas besoin de... Si vous êtes enseignante, oui. Vous n'avez pas besoin d'autorisation. L'accord de proximité n'a jamais été condamné. Jamais. Il a été, je le disais, il a été enseigné officiellement jusque dans les années 30. Ensuite, il a été toléré. C'était écrit en toutes lettres. Il était toléré jusque dans la loi Abi. 1978. Depuis, silence. Mais il n'est pas condamné. C'est pas possible de le condamner. Vous avez des générations d'auteurs et d'autrices qui ont écrit comme ça, ou qui continuent à écrire comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle des droits et libertés fondamentales, pas fondamentaux. Vous avez remarqué ? Droits et libertés fondamentales. Or, c'est les droits qui est fondamental. Fondamental est un facteur commun avec les deux mots. Donc, il n'a jamais été condamné. Donc, vous avez absolument le droit de l'enseigner. L'accord d'importance, l'autre accord, celui de choix, il a été mis, moi je dis, dans une petite boîte très précieuse qui s'appelle les figures de style. Alors, c'est une syllepse. Alors, on apprend aux étudiants quand on lit dans des auteurs anciens, des autrices anciennes, qu'ils ont fait un accord selon leur choix, parce qu'ils estimaient qu'il y avait un mot qui était plus important que les autres dans le truc, on dit « oui, mais c'est une syllepse ».
alors on ne se sent pas autorisé. Mais c'est juste du flan, quoi. C'est du flan. Donc s'il est psaume quand on veut. Et parlons des infirmières et des aides-soignantes aujourd'hui, parce qu'elles sont plus nombreuses que les infirmiers et les aides-soignants. D'accord ? Donc tous les discours où on entend tout ça au masculin, alors que ces professions sont massivement féminisées, mais on a le droit de parler des infirmières et des aides-soignantes et des caissières. Les caissières. Dans le premier grand discours de Macron après le premier confinement, je ne sais pas si vous vous souvenez, il faut le reprendre, il est en ligne, hein, c'est facile. Il parle de toutes les professions quasiment. Il y a, je ne sais pas, 80 professions qui sont dans ce discours, c'est invraisemblable. Tout est au masculin, sauf les caissières. Là, on a un beau doublet, les caissiers et les caissières. Ah, c'est sûr, elles sont quoi, 97% de la profession. Mais les infirmières, c'est déjà plus intéressant. Elles sont plus que 87-88%, donc c'est pas intéressant. Le masculin l'emporte. Et puis tout, partout, le masculin l'emporte tout le temps. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? C'est une question de volonté. Si on est d'accord que les hommes sont plus importants dès qu'il y a un homme dans la salle, ça doit être au masculin. On dit les infirmières, les aides-soignants, les caissiers, pourquoi pas, parce qu'il y en a deux, quand même 2-3%. Mais si on n'est pas d'accord, on dit les deux. Ou on dit la majorité. Donc n'ayez pas peur d'enseigner ça, il y a aujourd'hui des profs qui enseignent ça. Voilà, on a les ressources, la langue sait faire, on a des centaines de modèles de gens très très bien, même des académiciens. Je rappelle que Racine était académicien, et il s'asseyait, comme je suis assise là, sur les prescriptions de ses collègues. Donc voilà, parlons la langue qui nous semble juste en fonction de notre vie aujourd'hui. Nos besoins d'aujourd'hui. Bon, merci beaucoup pour ces échanges. La langue est vivante et la langue nous accompagne et c'est à nous de la faire vivre. Je crois que c'est un beau débat là ce soir et puis avec une très belle donc, pièce d'Eva Biel et donc cette création qu'elle nous a offerte là ce soir. Grand merci à vous pour votre présence. Je tiens encore à remercier donc Eliane Biennot, Eva Biel, Clémentine aussi, j'ai oublié votre nom de famille, Stepanov, pardon, je ne voulais pas faire d'erreur. L'ensemble de l'équipe artistique et puis donc aussi notre équipe de la direction des affaires culturelles et de la communication. Et j'ai oublié tout à l'heure de remercier Violette Daz qui est aussi à la mission égalité tout le temps présente. Et ça me permet de vous dire aussi que c'est un lieu, la mission, vous pouvez y passer. Vous pouvez venir discuter si vous avez envie de ces questions de langue ou d'autres choses. Mais voilà, c'est aussi un lieu où il y a des gens en vrai qui parlent une langue, qui essaient de faire la plus égalitaire possible, où elles essaient de la faire de manière la plus égalitaire possible. Voilà, donc grand, grand merci à vous toutes et tous. Et puis à bientôt et à suivre pour tout cela. Tu voulais dire un mot, je crois, aussi. Ben, je voulais te remercier, merci Violette, merci pour toute l'organisation, merci Olivier, merci Hyacinthe, merci pour, ça s'est fait dans la joie et la bonne humeur, merci beaucoup. Cet événement a quand même été décalé 3 fois depuis mars 2020, donc aujourd'hui c'est la 4e fois que nous le reprogrammons, donc merci aussi pour ta ténacité, nous sommes vraiment heureuses d'avoir pu le présenter, merci à Eliane voilà, d'avoir également répondu présente, merci beaucoup, voilà, merci Hyacinthe. Merci à vous.